salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, même bien plus que très bien, parce qu'aujourd'hui je vous réserve quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais été fait, parce qu'aucun jeu n'avait offert cette possibilité. Bienvenue dans The Dark Pictures, Men of Medan, un jeu de Super Massive Game, ce qu'ils ont fait Until Dawn à l'époque sur la PlayStation 4 quand elle venait de sortir. Et là on va vivre une aventure horrifique mais très 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 originale. Encore une fois, vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Je serai, écoutez-moi bien, en compagnie d'Alfouille. C'est un Until Dawn 2, appelez-le comme vous voulez, sauf que c'est une nouvelle saga qui s'appelle The Dark Pictures. Et dans cette saga, tous les jeux, donc Men of Medan et ceux qui viendront à l'avenir, seront des histoires contées différemment. Donc installez-vous, parce qu'on va faire ce jeu qui est vraiment un Until Dawn dans son gameplay à deux. Pourquoi à deux? Parce qu'il a été conçu pour être joué en coop, en ligne, et j'ai choisi Alfouille pour m'accompagner dans cette aventure. Vous aurez exclusivement sa vue, l'intégralité de son gameplay. C'est sera en description quelques heures après la sortie de chaque épisode. Et pourquoi je le fais à deux et pas tout seul? On peut très bien y jouer tout seul. Tout simplement parce qu'à deux, on a 150% du jeu, quand en solo, on a 100% du jeu. Ça veut dire que vu qu'Alfouille va jouer en parallèle, ses choix auront un impact sur mes choix, et mes choix auront un impact sur ses choix. Il va jouer des personnages uniques, je vais jouer des personnages uniques. Et donc, forcément, vu qu'on joue en parallèle, il va vivre des scènes. En tout seul, on ne peut pas vivre deux scènes parallèles, c'est pas possible. Donc, il va vivre des scènes uniques et je vais vivre des scènes uniques. Et bien évidemment, tous les gameplays, tous les épisodes, donc ça sera à appeler épisode 1, épisode 1 bis. Ça sera le gameplay d'Alfouille et ses choix. Épisode 2, épisode 2 bis. Et tutti quanti. C'est très compliqué peut-être à comprendre, mais vous inquiétez pas, au bout de deux épisodes, vous allez très vite comprendre et ça va glisser dans le gosier, comme on dit si bien. Installez-vous confortablement, mettez la vidéo en 2K 60 FPS, prenez un truc à boire et à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble et peut-être à très vite sur le gameplay d'Alfouille. Allez, à tout de suite. Allez, on est donc parti et je suis en compagnie d'Alfouille. Comment vas-tu, Alfouille? Bah écoute, ça va très très bien, et toi? Bah ça va très très bien, je t'ai tout expliqué en off évidemment, ce qui allait se passer, comment le jeu allait se dérouler. Est-ce que tu es prêt? J'ai peur. Bah t'as peur, attends, ça a même pas commencé. Je pense pas qu'au début on va frissonner. Par contre, plus on va avancer ensemble, plus je pense qu'il va se passer des choses assez sympas. À savoir que je rappelle que toutes tes actions auront des conséquences sur moi et toutes mes actions ont des conséquences sur toi. Donc je ne saurais pas si ça vient de toi et tu ne sauras pas si quelque chose vient de moi. Néanmoins, on pourra regarder les rediffusions parce que, encore une fois, je précise qu'il y aura les deux vues. La vue d'Alfouille sera présente quelques heures après la mienne. J'ai envie de te dire à tout de suite dans le jeu, mon cher Alfouille. Bah oui, essayons de survivre le plus longtemps possible. On va pas tergiverser, s'il te plaît, juste ouais. Sur Until Dawn, j'ai fait en sorte que quasi personne ne meure. J'aimerais bien que tu fasses pareil sur ce jeu. Bah, je vais essayer. Je te promets rien, mais je vais essayer. Et fais bien des choix comme si tu étais à la place de la personne. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? C'est ce qui rend le jeu beaucoup plus intéressant. Évite juste de canner, quoi. C'est tout ce que je te demanderais. Ça roule? Ça roule. Allez, on se retrouve directement dans le jeu pour cet épisode 1. Là, tout de suite, tout le monde. Et ça y est, c'est fait, on s'est séparés, j'ai invité Alfouille, on est parti pour vivre tous ensemble une nouvelle histoire horrifique. Et comme Until Dawn, c'est sincèrement la première fois qu'on va vivre ce type d'expérience. Et j'ai trouvé ça tellement ouf de vous proposer toutes les vues que je me suis dit, je suis obligé. Donc j'ai le choix entre démarrer avec Joe ou démarrer avec Charlie. Je ne connais aucun des deux, donc on va prendre le premier. Alfouille aura sûrement Charlie. On verra, et histoire partagée, on va donc vivre 150% du jeu, parce que je vous rappelle qu'en solo, on a 100% du jeu, mais en duo, on a 150% du jeu, car il y aura des scènes qui se passeront en parallèle de moi, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, un Until Dawn à deux, où ses choix vont influencer sur mon histoire, et où mes choix vont influencer sur son histoire. C'est quand même sur le papier un petit jeu de rêve, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et le côté un peu horrifique aussi. Allez, c'est parti. Thank you.
Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je vais me battre. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ok, Joe. C'est moi. Et elle fouille. C'est Charlie. Donc, connaître mon avenir, ne rien dire, curiosité, serais-je riche Moi, ça me fait peur tout ça, donc j'aurais dit ne rien dire. Le bambou, le dragon. Dragon, c'est souvent un signe d'attaque ou autre. Un bambou, c'est quelque chose de plutôt... plutôt calme. Ok. Maintenez R2 pour saisir un objet et R pour l'examiner. Donc c'est un tuto, hein, évidemment. Ben... Ok. On dirait un poisson. C'est totalement un poisson, qui a l'air un peu inoffensif. Ça, c'est peut-être pas bon signe non plus. J'aurais peut-être pas dû prendre le bambou, finalement. Très bien. Ah, Alfou, il a fini de se battre. Je me demande comment s'est passé, lui, son apprentissage. D'accord. J'aimerais essayer le gros malabar. Ah, on va inverser, nickel. N'hésitez pas à aller voir le côté d'Alfouille, sa vue, sa vidéo. Elle est en non répertorié. Je vais tenter ma chance. Faites-vous plaisir. Comme ça, vous aurez les 150% du jeu, vous aussi. Ah oui. Ok, on inverse les tutos. Ok, bon, ça m'a l'air pas bien compliqué. C'est pas mal. Ok. Pas mal. Ok, petite esquive. D'accord. C'est vraiment un petit down. Il va y avoir des moments tellement chauds, à mon avis. What? Te moque pas de moi, ma soeur. Je m'en sors bien, en vrai. J'ai l'impression que ça dure plus longtemps que... Que Alfouille, non? Il a chié ou quoi? Ok. Ah, ça va aller de plus en plus vite, hein. Ah ouais, ça va vraiment de plus en plus vite, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Tu testes mes réflexes? Vas-y, cowboy. Je suis ton homme, mon gars. Ha, voilà. Ouais. On dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. Boum. Un trophée, c'est pour moi, mon pote. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille, là. Ok. C'est bizarre parce que, vu que cette fois c'est Alfouille qui joue un autre personnage en parallèle, je me demande trop ce qu'il a choisi, ce qu'il a dit et tout, c'est insane en vrai. C'est vraiment insane. J'ai hâte de monter sa vidéo et voir tous ses choix. C'est sûr, il a dû prendre le dragon à mon avis. C'est pris pour Jet Li, ce bâtard. Ok, donc de toute évidence, il y a eu sûrement 4 soldats américains décédés, parce qu'il y avait 4 tombes. Et là, il y en a une, ça a l'air d'être quelqu'un de méchant. Vu la tête de mort qu'il y a dessus. Fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste.
Ok, Joe Infirmerie, 1h36 du matin. Elle fouillait toujours Charlie. Très bien, très très bien. Alors, on a la photo ici. On va la regarder, ça peut peut-être me rappeler des souvenirs. Sûrement mon gosse. Rappelez-vous que j'ai un gosse. Ok. Pour papa, reviens vite. Très très bien. Ça c'est fait. Ok, on a quoi d'autre? Alors, je me demande sincèrement comment ça se passe en parallèle. Je me demande ce qu'Alfouille joue. Si moi je reste une heure dans cette pièce, est-ce que lui reste une heure dans cette pièce? J'ai pas eu peur. Grâce à Resident Evil 2, j'ai été bien, tu vois. Ok, quelques scènes. Une clé, un carnet. Non, c'est des tâches. Non, c'est des tâches de sang, ça. Non, ça a l'air d'être la monnaie, hein. Ok, une clé bien bresson. On va la garder. Très bien. Bon, mon frérot, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Ça, je connais bien, c'est la jaunisse. Ok. Y'a rien à regarder, vraiment, sincèrement. Très bien. Pas grand-chose à regarder sur le cadavre. C'était pas des pièces, ça devait être des tâches, à mon avis. Et on a plus rien à faire, on va pouvoir partir, je pense. Alors attends, j'ai peur de foirer ou d'oublier quelque chose. Ah! Ok, la Festar, il a dû paniquer, il a dû tester quelque chose. Ok, on y va. Très bien, je peux aller tout droit ou à droite, toujours commencer par tout droit, toujours commencer par la première chose qui est accessible le plus proche. Ok, donc rien d'intéressant, donc je peux aller que là-haut. Très bien. Alfouille, où es-tu? Que dis-je, Charlie? Ok. Salut, Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Ok. Attends. Je vais rentrer dans sa pièce. Ah, mais ouais, il y a des trucs. Il y a des trucs. Attends, hein, Charlie, si ça te gêne pas. Attends. Il s'avère que le soldat Charles Anderson, en permission, s'est enivré d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre, l'officier qui a procédé à l'arrestation, jugeant que la confrontation allait donner lieu à une rixe en public. Des mesures ont été prises pour les deux. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ok, appuie en rythme. J'adore le rythme. D'accord. Ok. Fais pas le con, hein. Fais pas le con, Charlie. Ok, it's ok. C'est sympa, ça. Ça, c'est très sympa, ça. Fais pas le con. Je rappelle que s'il faut, t'en prends tous. Ok, il a réussi. Très bien. Ok, on va essayer de passer par là. On sait pas où on va là, hein. D'accord. C'est bizarre de jouer à un jeu, mais on peut pas se parler en fait. On peut pas communiquer vraiment. Donc lui va faire ses petits trucs. Moi je vais faire sûrement les miens au bout d'un moment. Non, on revient à la caisse départ. Hop, ça m'intéresse pas. Eh, salut Charlie, hein. Eh, très sympa l'aventure à tes côtés, hein. Il va se faire embrouiller. Alors, c'est ça aussi, c'est que ça peut venir subitement.
Parce que s'il se fait embrouiller d'un coup d'un seul ou moi, bah lui sur son écran ça va lui faire une petite frayeur, tu vois. Tiens, il arrive, il me suit. Ok. Ah, c'était quoi? T'as vu ça, Charlie? Qu'est-ce que... Allez. Wow, get down! C'est quoi ce délire? C'était une gamine. Ok. On a peut-être des choses à fouiller ou autre. Ok, ça s'ouvre pas. Donc la gamine est passée par là, c'est bizarre. Ok. C'est tellement... Hé, Joe, aide-moi. Ouais, j'arrive, mon pote. Ok. Ah. Il apparaît ici. Allez, hein, faut que tu fasses un effort, hein, s'il te plaît. Allez, hein, bombarde. On apparaît ici à deux. Les boulets. Allez, en même temps, ça... Damn, Daniel. Bah, on peut plus rien pour lui. Ah, j'adore l'idée, j'adore le concept. J'espère vraiment que ça vous plaît. Bombardez de likes, putain. Et mettez un commentaire aussi, ça fait plaisir. Ok. Je rappelle que le jeu n'est pas encore sorti. J'ai pas le droit de vous montrer trop pour ne pas spoiler. La suite, ça sera donc vendredi. Merde. Un autre macadé. Je me demande qui c'est. Oh, putain. Oh, il pousse les gueules, les gars. C'est la momie ou quoi? La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Ok. On va aller là-haut. Je vais pas spécialement l'attendre. Très bien. Alors attends. Si je fais demi-tour, par contre, parce que là, on va s'engouffrer, à mon avis, dans un délire. Attends. Voilà, on va aller là-haut. C'est ça. Charlie, attends, s'il te plaît. Voilà, lui, il veut y aller. Il veut y aller, il a raison. Ok. Bah, y a rien là-haut. Très bien. Allez, on y va. C'est drôle parce que il se retourne pour voir où j'en suis et tout. Je fais pareil. C'est énervé, franchement. Ok, la caméra. J'ai hâte de voir s'il a stress ou pas jusqu'ici. La gamine, je vous avoue qu'elle m'a fait stresser de ouf. Elle m'a pas mis à l'aise. Ah, d'accord. Bah, c'est maintenant que vous le donnez. Maintenez L1. C'est moi ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? T'as juste la tête d'un déterré, Chuck. Je te retourne le compliment. Génial. On va se marrer. Ok, c'est fermé. Bon, allons voir sur le pont. Ouais. Cool. D'accord. Super. C'est bien en plus, parce que c'est deux amis dans le jeu et tout, tu vois, c'est... C'est vraiment cool, l'immersion, elle est quasi instantanée en fait. C'est stylé de ouf. Je rappelle que Dark Pictures, c'est donc un nom d'une saga globale qui va apparaître. Toujours les mêmes créateurs derrière, évidemment. Et on ne sait pas de quoi seront faits les autres jeux. Ah, j'ai pas réussi à passer la porte. Attends, je suis débile ou... Je suis débile. J'arrivais pas à passer la porte, c'était terrible. Ok. Maniement peut-être, pour le moment, un peu plus lourd qu'Until Dawn. Ah ! Hey, Jack. T'as vu le gamin là-bas ? Non. Est-ce que tu te sens bien ? Attends, lui, il l'a pas vu, genre. Ah, mais pourquoi c'est moi qui ai des alus, les gars? C'est pas juste. Okay. Oh. Mais les gars, wesh, c'est un truc de ouf. Arrêtez de jouer sur les screamers. Ok, ça va, Kalash. Ok, lui, il va couteau. Je rappelle que je me mets vraiment à la place des gens. Ok,
qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, à la place de Joe, évidemment. Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie. Non, c'est une alu, mon gars, c'est une alu. Non, c'est qu'un gamin, c'est qu'un gamin. J'ai pas envie de faire une connerie. Ah ! Ah ! C'est pas qu'un gamin, c'est pas qu'un gamin. J'ai envie de tirer. Ouah ! Le seul qui avait un couteau, c'était Charlie. Non, non, j'ai pas déjà tué Joe. Non, Zinedine ! Mais... Oh là là. Mayday ! Mayday ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Votre position, je le répète, donnez-nous votre position. Oh, c'est pas vrai ! Tu vas marcher, oui ! Alors c'est peut-être... Ça se trouve, quoi qu'il arrive, il peut mourir. Mais c'était hyper expéditif. Très bien. Ouais. On va s'arrêter là, hein. Juste après cette intro. Ah là là, je sais pas si j'ai tué Joe. Oh, ça me ferait tellement chier dès le début comme ça dans l'intro. Bah clairement c'est un avertissement pour l'avenir. En gros ça veut dire la prochaine fois tire. Sans somnation cherche même pas. Mais ça avait tout l'air d'être une apparition. Donc une apparition c'est inoffensif, tu vois. Aïe aïe aïe. Ah je sais pas ce qui s'est passé du côté de Charlie. S'il est mort c'est que c'était peut-être normal. On devait mourir. Hâte de voir la suite. C'est vraiment inspirant Until Dawn. En tout cas c'est vraiment vraiment sympa. Je trouve ça stylé. J'ai hâte de faire la suite. Ça peut être ouf. C'est vraiment ouf. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Bombardez-moi tout ça et vendredi vous aurez la suite, vous inquiétez pas quoi qu'il arrive. Ok. Mais c'est qui lui alors? On a un protagoniste là. Ça a l'air d'être le même toute l'intro. Merci Fufu pour ton solo.
Ça fait plaisir, un petit solo de guitare, les gars. Eh, c'est jamais trop. Ok, eh ben on va savoir très vite qui c'est. Bonjour. Et bienvenue dans ma collection. Oh, la voix de Morgan Freeman! Ça me plaît, en tout cas son doubleur. Ok, ça a l'air d'être le conteur d'histoire. Celui qui a peut-être tout raconté sur la saga Dark Pictures. Et donc là, il va nous raconter l'histoire de Man of Madden. Je rappelle que chaque jeu sera indépendant. Donc ça sera pas Man of Madden 2, ça se passera peut-être dans une Je autre époque. Je suis le conservateur. Et Tutti Quanti. Le conservateur d'histoire. C'est des contes, en fait. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. J'adore. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas? Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente. Mais comme dans la vie, vos actes auront des conséquences. Et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Oh bah limite, il refait mon intro, quoi. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Et n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va s'arrêter là. À bientôt pour la suite de notre aventure. À vendredi, tout simplement.